Je suis fils de paysan et je suis né dans une ferme et mon papa travaillait de façon naturelle. Protéger l'environnement vient souvent de gestes du quotidien très simples. C'est systématiquement arriver à réfléchir pourquoi on met à la poubelle. Les gens pensent faire beaucoup d'efforts et quand on regarde précisément leur comportement, on se rend compte que malheureusement, il y a un gaspillage qui représente pratiquement 33% des produits qu'ils utilisent. L'intelligence qu'il faudrait avoir, soit quand on est professionnel, soit aussi quand on cuisine à la maison, c'est savoir réfléchir comment transformer des matières qui sont en bout de vie, des matières dont la DLC arrive au bout, date limite de conservation. On va prendre l'exemple de yaourt. Un yaourt qui arrive au bout de sa vie, ne le jetez pas. Vous le mettez au congélateur. Voilà, vous le laissez au congélateur pendant 2-3 jours. Donc vous allez avoir un glaçon. Vous allez avoir un glaçon. Voilà, ce glaçon, vous le prenez avec une râpe à parmesan et vous vous amusez à le râper sur une salade, sur un carpaccio, sur un poisson froid, sur une viande froide. Et vous allez voir que ça va vous amener un lacté et ça va vous amener un assaisonnement. Un assaisonnement diététique. Et puis il y a la fierté de se dire, je n'ai rien jeté. Et j'ai aussi peut-être mon petit grain de sable. Voilà, mon petit grain de sable dans cette planète pour aider la planète. Et vous, pour quel geste la planète vous dit merci ?